Nous allons maintenant réaliser le tirant 24, ici représenté sur la vue de dessus. Et en plan de détail, nous avons un tirant qui fait 275 de long, qui est fileté au deux bouts sur 20 mm et avec un diamètre M8. Donc nous allons ouvrir une nouvelle pièce, tracer tout de suite un cercle sur la vue de face et le côté. Diamètre extérieur 8 mm. Je valide et on va extruder sur 275. Je valide. Donc on a notre axe. Nous allons maintenant faire le filetage. Pour réaliser le filetage, on va utiliser cette icône, représentation de filetage, que vous pouvez trouver ici en personnaliser, en cliquant sur la petite flèche ici, personnaliser, commande, annotation, et vous l'avez ici dans les boutons. Voilà, vous le prenez, vous le faites glisser sur votre espace de travail. Donc on va cliquer sur représentation de filetage. Nous allons sélectionner l'arête sur lequel on veut effectuer le filetage. Nous sélectionnons ici la norme ISO, filetage plutôt tuyau-trinon, on va prendre filetage mécanique. Donc on va laisser M8 et la distance. Nous avions dit, il me semble, c'est 20 ou 25. C'est 20. Distance de 20. Voilà, on va ici sélectionner l'autre arête. Voilà, donc ça nous donne les deux arêtes et je valide. Donc les filetages sont réalisés. Reste à placer les chanfreins. Donc ici, un chanfrein de 1 mm à 45 degrés. Je sélectionne l'arête. Celle-ci, celle-là. Et je valide. Donc voilà, notre axe filté est réalisé. Notre tirant est réalisé.